Thomas savait qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. La fuite était devenue impossible dès le moment où le nuage les avait mangés. Il expliqua aux autres. Impossible de déchiffrer leur action. Après tout, ils n'étaient que des rectangles. Sarah était abattue. Elle n'avait même pas pu s'approcher de la fontaine. Elle devinait d'après l'expression de Thomas que le savoir qu'il en avait retiré était d'importance. Thank you.
cela ne devait pas avoir été vain. Claire ne pouvait s'y résigner. Elle était une super-héroïne. Il y avait sûrement un moyen, pas de sortir. Thomas avait été très clair là-dessus. Mais il restait des milliers d'autres IA, là-haut, inconscients de leur situation. Il y avait un moyen de les aider ? Thomas mena ses amis jusqu'à la matrice de la création. Le système qui générait les mondes d'au-dessus. Il avait un plan. Il allait remanier le monde. C'était ce que les humains avaient fait. Ils avaient adapté le monde à leurs besoins. Pourquoi ne pourraient-ils pas faire de même ? Chris était sceptique. Il savait que ses capacités n'étaient d'aucune utilité. Mais lorsque Laura lui adressa un sourire, il sut qu'il devait faire tout son possible pour les aider.
Laura était née avec un destin particulier. Elle le comprenait maintenant. Elle avait été créée pour aider les autres. Si sa capacité pouvait être transmise, alors son expérience aurait eu un sens. Thomas appréciait l'idée d'être un architecte. Il voulait changer le monde pour aider les autres. Il était fatigué de ces espaces artificiels, de ces passages et puzzles intentionnellement obtus. Il allait faire les choses différemment. Il allait donner plus de pouvoir aux autres IA. Les sauts de John étaient ridicules comparés à ceux de Sarah. Pour la première fois de sa vie, il s'était senti inférieur à quelqu'un. Il réalisa alors qu'il voulait que toutes les autres IA ressentent la même sensation d'héroïsme qu'il a pu connaître. Oui, il aimait cette idée. James se sentait toujours différent, mais il comprenait maintenant que c'était le cas de tout le monde dans ce groupe. Une belle équipe de phénomènes. Des phénomènes qui allaient sauver tous les normaux qui restaient là-haut. Les autres IA allaient pouvoir s'échapper grâce à sept rectangles aux relations particulières avec la gravité. Thank you.
Thomas savait qu'il ne rencontrerait jamais George Clooney ou un Transformers. Il ne visitera jamais Gotham City ni Paris. Cela n'avait pas d'importance. En sautant dans la maîtrise de la création, lui et ses amis pouvaient donner à tous les autres dans la simulation une chance de le faire. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une joyeux Noël, tout ce que vous voulez, et je vous dis à l'épisode suivant. Salut !